Bonjour, je suis Lorenzo Darpé, vétérinaire équin, considéré l'autorité, l'expert sur la fourbure et les autres pathologies du pied équin. Aujourd'hui, je vous parle de la vénographie. En français, c'est plus connu comme les phlébogrammes. Si vous voulez, c'est le seul outil, le meilleur outil pour visualiser les chorions. Donc, comme je vous ai déjà dit, les chorions chez l'homme, c'est visualisable à l'œil nu parce que l'ongle est transparent. Chez les chevals, il y a la boîte cornée. Et pour la traverser, il faut une radio. Ou pour visualiser les chorions en ex vivo, c'est facile parce qu'on arrache l'ongle, mais c'est une avulsion. Et chez les chevals vivants, ça peut avoir des conséquences. Donc, chez les chevals, pour le visualiser en vivo, on utilise des liquides de contraste. Si on le fait sur les chevals, sur la table opératoire couchée, c'est plus simple faire une artérographie, parce que l'artère est la plus dilatée. Si on le fait sur les chevals debout, c'est beaucoup plus simple faire une vénographie, donc une visualisation des veines. Là, c'est l'outil plus simple à utiliser avec un liquide de contraste pour visualiser les chorions chez les chevals vivants. Début.